la poste, Viviane Aubry, bonjour. Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. C'est quel poste, là? C'est la poste de Meun. Ah, voilà. Ben, je vous appelle de Marseille, moi. Oui. Et c'est parce qu'il y a le monsieur qui vient de votre poste qui est venu chez moi pour me vendre le calendrier. Quand est-ce qu'il est passé, le facteur? Là, il est encore là, il n'est pas loin. Il vient de chez vous, il me vend un calendrier, mais je trouve que les photos, dites donc. Hein. Ben, attendez voir, ne quittez pas. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Expliquez-moi, là. Quelqu'un vous a appelé? Non, il y a un monsieur qui est à la maison, là, qui vient de chez vous pour me vendre un calendrier. C'est plus cher que d'habitude, hein. Et là, ah, ben oui, mais je sais pas, c'est bizarre, ça, votre affaire, là. Vous seriez pas fait arnaquer par hasard? Arnaquer? Ben, c'est pas quelqu'un qui est passé, mais il s'est présenté comme quoi, il vous a dit son nom et tout? Il m'a dit la poste de Méhun-sur-Yèvre. Qu'est-ce que c'est de cette histoire-là? Ben écoutez, j'ai acheté un calendrier, moi, en toute bonne foi, parce que j'achète toujours le calendrier. Mais qu'est-ce qu'il y a dessus? Alors, il y a des photos, ben moi, je trouve que vous allez... Mais des photos qui représentent quoi? Ben, c'est dégoûtant, hein. Je viens de l'ouvrir, le calendrier, je m'attendais pas à ça, hein. Ben, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, il y a un âne qui est grimpé sur un chien. Ben, c'est quand même bizarre, hein. Il y a un babouin qui fait... Oh, c'est dégoûtant. Une gâterie. Un écureuil. Oui. Alors, vous dites qu'apparemment, ça serait un facteur. Ben, je sais pas, moi... Est-ce qu'il avait la tenue d'un facteur? Non, mais il est toujours là, hein. Toujours là? Oui, il est dans le salon, je vous appelle de la cuisine. Parce que là, il veut m'en vendre 3 pour 400. Oui, vous pouvez me le penser, le monsieur, là? Oui, je vais vous l'appeler. Oui? Et quelqu'un pour vous? Ah, pour moi, ben là, je connais personne dans... Allô? Oui? Bonjour, monsieur. Oui? Oui, alors, la dame me dit que vous représentez le bureau de poste de Meun-sur-Yèvre. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez aller me chercher un petit café, madame? Allô? Non, pas de sucre. Oui, madame, est allée me chercher un petit café. Ah, merde, oui. Comment? Bonjour, oui. Oui? Pourquoi vous représentez la poste de Meun-sur-Yèvre? Bah, comme ça, les gens, ils... Bah, vous rigolez ou quoi, là? Pourquoi vous vendez des calendriers en représentant le bureau de poste de Meun-sur-Yèvre? Bah, vous pouvez me donner votre nom, toutes vos coordonnées, là? Je m'appelle Bernard, enfin... Et votre prénom? C'est mon nom. C'est Bernard Bernard, quoi. Il n'y a qu'à dire Bernard Bernard, voilà. Non, mais vous êtes en train de vous foutre de moi, là, ou quoi, là? Ben non, monsieur, mais... Ben non, mais écoutez, vous nous prenez pour qui, là? Ben, mais écoutez, la dame qui vient de m'appeler, là, elle est en train de nous ramasser une belle soufflante. Elle croit que c'est nous qui représentons la poste de Meun-sur-Yèvre, et puis c'est vous qui vendez des trucs comme ça. Faut arrêter ça, hein? Ben, c'est trop tard, monsieur, j'en ai déjà vendu 200, alors... 200, mais à qui? Ben, aux gens dans la région, quoi. Ah oui, mais dites donc, on est une belle image, nous, hein? Des animaux les uns sur les autres, Ah oui, mais c'est pas des hommes, mais des femmes, hein, c'est... Oui, mais enfin, c'est pas mieux non plus, hein. Vous allez me repasser la dame, et puis moi, je voulais expliquer ce qu'il en est, hein, parce que nous, c'est pas nous, ça représente pas du tout... Voilà, je suis avec mes collègues de la poste. Ah non, mais on n'est pas des collègues, hein. Et je suis avec mon ami, le receveur, et il me dit justement non, que... Je suis pas le receveur non plus, hein. Vous pouvez en prendre 3, donc pour le prix, ça fait 3 pour 500. Ah bon? Vous pouvez me la passer, la dame, là? Attendez, je prends mon porte-monnaie. Merci, madame. Au revoir, à bientôt. Ah ben, vous êtes gentil. Merci, monsieur. Allô? Oui? Ça y est, j'en ai acheté 4. Oui, alors, que je vous explique, hein. Le monsieur, là, qui vous a vendu ça, hein. C'est un menteur, hein. Mais je lui en ai pris 4. Ben oui, ben, vous êtes fait avoir, hein. C'est ce que je vous ai dit, hein. Attendez. Vous permettez, je vais ouvrir le deuxième calendrier pour vous dire ce qu'il y a dessus. Oh là là. Oui? C'est pire. Ben oui, mais je m'en doute, hein. C'est un escroc, hein. Vous savez ce que j'ai devant les yeux? Oui. C'est marqué, donc, poste de Meun-sur-Yèvre. Oh putain, ben attendez, dès que mon patron va revenir, je vais lui parler de tout ça, hein. Voilà. Oh là 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 là. Vous vous êtes fait avoir, madame, là, hein. Oh non. La poste de Meun-sur-Yèvre. Oui. Et tout son personnel. Oui. Est très heureuse de vous souhaiter la bonne année. Oui. Voici la sélection de nos meilleures photos lors de nos voyages de groupe en Afrique. Mais c'est pas nous, non, je vous dis, c'est un escroc, quoi, vous avez eu affaire, là. Mais attendez, donnez-moi votre numéro. Attendez, monsieur. On voit une girafe avec un monsieur derrière. Et la légende, c'est « Le receveur s'amuse en vacances ». Oui. Et il est en train de prendre la girafe par derrière. Ben, c'est monsieur Toutmieux. Ah, c'est ça, c'est marqué. Entre parenthèses, monsieur Toutmieux. C'est pas possible, c'est pas possible. Vous êtes fait arnaquer, ma pauvre dame. Mais monsieur... Pour régler cette affaire, là.
Le monsieur derrière la girafe. Oui. C'est vraiment le receveur? C'est pas vrai, ça, hein. Je sais pas qui a fait ces tours-là, hein, mais c'est un escroc, hein. Attendez, il a laissé son nom. Oui. Ah, mais il a oublié sa carte d'identité. Et que c'est qui? Alors, c'est marqué la radio. C'est monsieur Lafesse? Oui, bonjour, ça va? Ça va mieux? Ah oui, surtout notre patron, hein. Voyons, derrière une girafe. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, censurier et chanson.